les gars, c'est Nathan de Dioxy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer son équipe favorite. Donc je vais vous expliquer ça en deux temps. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment changer son équipe favorite. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer à quoi ça sert d'avoir une équipe favorite. Donc tout d'abord, pour la changer, vous allez dans Personnaliser. Vous allez dans Profil, un gestionnaire de profil. Et voilà, vous êtes là, vous appuyez sur A ou sur X suivant si vous êtes PS4 ou Xbox. Et puis voilà, équipe favorite. Donc vous mettez l'équipe que vous voulez et vous pouvez mettre aussi un rival. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc tout d'abord, moi c'est Rangers, mon équipe favorite. Parce que voilà, j'ai créé une équipe, j'ai mis les joueurs dedans, donc j'ai mis celle-là en favorite. Mais sinon c'est pas Rangers, voilà. Je connais aucun joueur dedans. Du coup, voilà, quand vous allez lancer un match amical, voilà, classique. Et ben voilà, c'est la première équipe qui apparaît. Donc, plutôt que ce soit des équipes au hasard, ça vous mettra ça. Donc, du coup, ça sert aussi à un autre truc. Donc, je pense que vous avez remarqué, enfin, pour ceux qui font les jeux techniques, ils ont une équipe, je sais pas, je crois que c'est Ajaccio. Moi, c'était Ajaccio. Du coup, voilà, vous avez des joueurs un peu pétés, du coup, c'est un peu galère. Donc au moins là, vous pouvez avoir les joueurs de votre équipe. Voilà, c'est des joueurs de Rangers. Bon, par contre, c'est pas ceux de l'équipe que j'ai créé, c'est bizarre, mais voilà. Vous avez les joueurs d'équipe des Rangers, donc voilà, du coup, ça c'est bien. Bah, du coup, voilà, ça vous permet d'avoir les joueurs que vous choisissez. Donc voilà, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous a servi. Donc voilà. Moi, je vous laisse sur ça. Allez, peace!